Yo les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite où on va voir un nouveau glitch XP sur une map qu'on connaît déjà. Vous allez voir que ça rapporte pas mal d'XP et en plus c'est AFK, donc c'est voilà, c'est vraiment efficace. Donc vous allez voir que à long terme ça rapporte beaucoup d'XP, à court terme ça va pas donner beaucoup d'XP. Et encore une fois je le répète, si vous gagnez très peu d'XP, c'est normal, c'est que vous avez atteint votre limite d'XP. Je le répète parce que malgré que je dis ça tous les jours, dans toutes les vidéos, il y a des mecs qui me disent ça va pas, je gagne que 4 par 4, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, hein, je le répète tous les jours, mais bon c'est pas grave. On va pas en parler pendant 30 ans, juste je voulais le rappeler. Mais bon voilà, c'est pas très grave. Du coup pour la map, je vais vous donner le code. Je pense que vous connaissez très bien la map. Alors je vais vous donner le code, donc c'est 41 86 02 01 89 84. Donc là, une fois que vous avez rentré le code, vous pouvez aller dedans. Comme d'habitude, le code sera en commentaire épinglé dans l'espace commentaire. Donc là, une fois que vous êtes ici, vous pouvez lancer le jeu. Voilà, vous lancez le jeu, tout simplement. Là, on peut attendre que la partie se lance. Et là, vous vous rappelez de cette map. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc, déjà, premièrement, il y a le bouton. Voilà, donc qui rapportait de l'XP. Donc là, c'est 61 par 61. Ensuite, vous vous rappelez... alors, c'est quelque part ici. Voilà, c'est là-bas. Donc, en fait, alors déjà, il y a de l'XP. Voilà. Donc ici, vous pouvez faire ça qui va vous donner de l'XP. Donc, vous voyez que le bouton rouge, il a été patché. Il donne plus d'XP à l'infini. Là, ici, c'est 10 par 10. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Donc, le bouton ici, vous voyez que ça s'est arrêté. Hein, il donne plus d'XP. Donc, là, ce que vous pouvez faire, c'est monter à l'échelle. Oh là, ça a bloqué un peu. Attendez, il me bloque. Alors, si vous êtes bloqué, il faut sauter. Voilà. Non, ça fonctionne pas. Attendez, hein. Alors, je comprends pas. Voilà. Donc, ça bloque un petit peu. Des fois, il faut bien se placer. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi. Ensuite, vous allez ici. Donc, tout en haut. Voilà. Et là, il y a le secret XP. Voilà. Et voilà. On va gagner un petit peu plus d'XP. Vous voyez, je gagne beaucoup plus d'XP là. Donc, c'est assez cool. Hein, vraiment, tout l'XP qu'on gagne. Mais c'est pas fini, les gars. C'est pas fini. C'est pas tout ce qu'il y a à faire. Il y a encore une dernière étape pour gagner encore plus d'XP. Donc, ce qu'il va falloir faire. Alors, attendez. Faut que je trouve les armes parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'armes. Alors voilà, c'est ici. Donc vous prenez la carte de j'allais dire de l'agence, mais l'agence c'est terminé. Vous prenez la carte de l'autorité, donc voilà, c'est la petite carte verte. Vous prenez le grappin et vous prenez le transforme accessoire. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement alors je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez descendre, donc vous descendez. Alors j'en profite là tant qu'il y a le code créateur. Si vous voulez mettre mon code créateur, merci à tous ceux qui le mettront, ça me fait plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Donc merci à tous ceux qui mettront mon code créateur, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc c'était la petite étape code créateur, voilà mon petit coup de pub. Et là donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre. Donc vous voyez avec la carte, on peut aller à un endroit. Donc voilà, vous voyez, ils disent qu'on peut, enfin la carte nous emmène quelque part. Donc là on prend le grappin pour aller plus vite. Voilà, donc tout simplement hein, je pense que le grappin, vous savez à quoi ça sert. Voilà. Voilà, comme ça on perd pas de temps, hein, le grappin c'est beaucoup plus efficace pour aller plus vite. Là vous voyez, bon là il y a un perso, donc bon ça fait rien du tout. Hein. Alors ce que vous pouvez faire du coup, c'est que voilà, en fait le perso il tient un petit objet, vous voyez. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous transformer avec cet objet. Là vous allez passer, alors attendez, faut passer à travers en fait. Non, c'est même pas là en fait, c'est même pas là, je me suis trompé. Faut passer à l'intérieur du tableau, voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Et là avec la carte, voilà, vous allez ici, donc là vous voyez que j'ai été téléporté et je suis passé derrière les barreaux. Voilà, donc c'était une étape, je me suis trompé. Voilà, et là vous allez, hop là, vous envoler et vous voyez qu'ici, bah, il y a tout simplement de l'XP. Donc là vous faites get XP et voilà, et là on gagne encore plus d'XP. Donc c'est vraiment efficace, vous voyez que j'ai déjà 10 900 XP, hein. Donc c'est assez incroyable. Après, vous voyez que là, mon XP diminue parce que j'ai pas mal fait de créatif. Hein. En ce moment, hier, j'ai joué avec des potes, etc. J'ai fait des 1v1, etc. Ça m'a donné vraiment beaucoup d'XP. Donc, la limite, vraiment, je pense que je l'ai atteinte. Et bon, c'est pas très grave, mais vous voyez que ça donne vraiment énormément d'XP. Donc voilà, profitez-en avant que ce soit patché. Là, le glitch fonctionne très bien. Vous voyez que j'ai quand même 12 000 XP, donc je peux passer pas mal de level. Et du coup, voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, le petit bouton ici ne fonctionne plus. D'ailleurs, il a disparu. Non, il était là. Non, toujours pas là. Ouais, vous voyez ici. Voilà, c'est dommage que ce bouton, il ne fonctionne plus et qu'il donne vraiment plus d'XP. Bon, c'est un petit peu dommage. Ou alors, faut peut-être le spammer, je sais pas. Mais bon, c'est pas cool de spammer puisque c'est AFK. Donc voilà, après, soit vous spammez, soit vous restez AFK, c'est comme vous voulez. Après, le mieux, c'est de rester AFK. Après, pour ici, l'escalier qui bloque, bah en fait, je viens de comprendre. Faut bien le prendre sur le côté ici. Parce que si vous allez trop à gauche, en fait, ça va bloquer, il y a une barrière. Et là, voilà. Vous voyez qu'ici, il n'y a absolument rien pour vous bloquer. Et je pense que c'est pareil ici. Voilà, faut rester à droite. Et là,
Bah, y a le Secret XP, voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère que ce glitch vous aura aidé. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Nous du coup on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la fois prochaine, bye.